salut à tous. Alors pour cette nouvelle vidéo, comme vous le voyez, on a commencé à ramasser du maïs. Donc on a été le moissonner hier. Hier on était le 1er septembre, donc là il y en a une benne de pour commencer hier soir. Donc on n'a pas continué dans les tournesols parce qu'on a pris 25 mm. Donc pour l'instant, pour les tournesols, il faut que ça sèche. Donc on s'est dit, on n'a qu'à commencer à aller moissonner du maïs. Comme le maïs reprend quasiment pas l'humidité quand ça mouille. Et que cette année, l'objectif va être de sécher tout le maïs. Donc comme on n'a pas un gros débit, on préfère commencer de bonne heure. Et là, ce qu'on a moissonné hier, c'était à 18 d'humidité. Bon, après, c'était dans des sables. Donc s'il a 18 d'humidité, je peux vous rassurer, le rendement, c'est pas ça. Mais voilà, donc même c'est même un peu trop sec parce que ça avait tendance à égrener au cueilleur. Donc voilà, donc là, on a continué. Donc là, aujourd'hui, là, ils sont partis moissonner deux remorques, deux ou trois remorques. Et on va remplir la grande case en maïs. On va en mettre, là, il y en a 6 hectares de la parcelle. Donc on va essayer de moissonner les 6 hectares. Si ça fait 60 ou 70 quintaux, ça fait 40, entre 35 et 45 tonnes, quoi. Donc ça va largement loger là-dedans. Voilà, le but c'est d'avancer dans la récolte pour pouvoir sécher et gagner les frais de séchage et éviter de l'emmener à la coopérative. Alors le séchage, je peux vite faire rappeler le principe, peut-être pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo sur la présentation de la méta, vous pouvez aller la voir. En fait, donc là on a la méta qui est là, et en fait, pour sécher le maïs, on se sert du circuit de refroidissement du moteur. Voilà, les ventilateurs sont pris sur le circuit de refroidissement du moteur. Comme un moteur, c'est comme un moteur de voiture ou de tracteur, c'est à 90 degrés. Donc le liquide passe dans des serpentins, et quand les gros ventilos ils aspirent de l'air, ça chauffe l'air. Vu que les serpentins sont très chauds, ça chauffe l'air. Après, l'air est propulsé dans ces caniveaux-là. Voilà. Bon, au plus de détails, vous regardez la vidéo sur la méta, je l'avais un petit peu mieux expliqué. Voilà. Donc le but, ça va être de sécher, on doit avoir 50 hectares de maïs, donc admettons, je sais pas, ou si on sèche, 50 hectares, si on fait, 70 quintaux, allez, 350 tonnes, si on sèche entre 350 et 400 tonnes, et qu'admettons, on gagne entre 15 et 20 euros de la tonne de frais de séchage, c'est toujours ça de gagner sans utilisation d'énergie fossile en gros. Voilà. Sans gaz, un petit peu d'électricité pour faire tourner les ventilos. Mais voilà. Donc là, la méta nous apporte vraiment un plus là-dessus qu'on gagne sur l'exploitation agricole.
Eh bien, je vous ai mis quelques petites images au drone, pas très longues parce que j'avais plus trop de batterie sur le drone. J'avais pas pensé à le mettre à charger. Là, comme vous avez pu le voir, dans ce champ-là, c'est 1,80 hectare, un petit champ. Et il est un peu plus vert parce que voilà, on voulait pas revenir avec la machine. On en a fait un champ de 4 hectares qui était plus mûr que ça. Et là, juste à côté, la terre est un peu plus forte. Mais bon, on voulait pas revenir juste pour battre 1,80 hectare. Donc, on le moissonne aussi. Voilà. Après, je vous ferai voir quand je vais vider et puis on fera un test d'humidité, comme ça on verra à combien on est. Voilà le cueilleur, comme vous avez pu voir, donc 7 rangs à 60. Pour la machine, il est beaucoup trop petit pour la fournir. Après, voilà, nous on fait pas énormément de maïs, hein, on en a quoi, 50 ou 60 hectares à moissonner. Donc quand. On l'avait acheté quand j'avais repris le semoir à maïs 7 rangs, on avait pris le cueilleur et puis ça fait son affaire pour le moment. Après voilà, c'est vrai que c'est un peu pénible parce que nous, comme la classe, c'est une moissonneuse qui est longue, elle braque pas très bien, bah tu dégages que 4,20 m, donc c'est les manœuvres, il y a pas mal de manœuvres à faire. Et je sais pas si vous avez vu, mais quand on moissonne, en plus faut replier l'échelle, sinon l'échelle elle tape dans le rang à côté. Bah voilà, ça dégage pas large, hein. 4,20 m, ça fait pas large. Bien voilà, je viens de vider la remorque, on voit dedans, c'est vide, je vais faire un échantillon avec ça. Bon, c'est peut-être à l'envers, mais on est à 21,2, donc là c'est pas trop, ça va pour un 2 septembre, c'est pas trop humide, ça va sécher assez rapidement. Donc, ce qui est chiant sur le carmoque, c'est ça. Là. Les barres anti-encastrement, c'est les nouvelles normes. Là. On l'a acheté il y a 2 ans, la remorque, mais à chaque fois, bah, ça reste de la matière sous ces barres, et puis à chaque fois, après, ça tombe partout. Voilà. Bon, bah, moi, je vais étaler ça au télescopique de façon homogène, et puis mettre en route les ventilos. Eh bien là, je vous reprends, on est vendredi donc 9 septembre, je n'ai rien trop filmé cette semaine,
Là, ce que vous venez de voir sur les moissons de maïs, c'était la semaine dernière. Donc ben, moi, là, j'étais encore avec le déchaumeur et je viens de finir de semer les couvertes à l'instant. Donc cette semaine, j'ai pas pu semer toute la semaine. La semaine dernière, pareil. Que la semaine dernière, où je vous avais fait la vidéo, j'avais semé le lundi, le mercredi et le samedi après-midi, parce qu'après, il y avait de l'eau. Et puis là, j'ai semé lundi, mardi, mercredi matin. Après, ça a mouillé. Et là, donc du coup, hier, j'étais en réunion toute la journée sur la méta. Et du coup, j'ai repris ce matin là pour finir. Il en restait 7 hectares. Et j'ai fini ça du coup ce matin. Donc là, tous les couverts pour le retour au sol sont terminés d'être semés. Donc ça, c'est une bonne chose de fait. Et là, je vais vous faire voir aussi la conso. Et puis, comme ça, vous allez voir. Bon, alors là, comme vous pouvez le voir, je semais 100, un peu plus de 100 hectares. Et en termes de consommation à l'hectare, là, c'est la deuxième ligne. On est à 12,6 litres à l'hectare de moyenne sur tout ce que j'ai semé. Après, en dessous, c'est le litrage à l'heure. Donc, ça fait un peu plus de moyenne. Si on prend la moyenne semée, ça, c'est le temps. Là, les 27 heures, c'est le temps vraiment que j'ai semé. Après, là, les 43 heures, c'est le temps sur la route, le temps de tourner dans les bouts, tout ça. Voilà. Donc, en instantané, on a un peu plus on a 3 hectares, un peu plus de 3 hectares à l'heure. Si je raconte pas de conneries. Donc voilà un peu les données. Donc 1280 litres de fuel au total. On va aller retourner faire un petit tour au séchoir pour voir ce qu'on a séché cette semaine. Je vais vous dire ce qu'on a moissonné aussi. Il y a eu pas mal de moissons cette semaine, mais moi j'ai pas pu aller vous le filmer parce que j'étais au semis de couvert, donc c'était pas spécialement possible. Mais je vais vous reprendre tout de suite au séchoir. Comme vous venez de le voir, les colzas sont plutôt bien réussis. Sur 60 hectares, cette année on en a peut-être entre 0,5 et 1 hectare. C'est un peu plus moyen, il manque des pieds. Je ne sais pas spécialement pourquoi. Vu que ça a mouillé en deux fois, peut-être qu'ils ont germé le premier coup et puis après ils sont tombés dans le sec et le germe avait travaillé. Peut-être que c'est ça. Mais bon, voilà, globalement, c'est plutôt bien réussi. Ils ont eu de l'eau, ils ont eu de la chaleur et ils ont l'azote au cul. Donc avec par le biais du digesta, donc tout de suite, ça les booste. Là, sur les images que vous avez, je crois qu'ils ont autour de 4 feuilles de colza. Donc, ils sont peut-être peut-être un peu trop en avance. Mais bon, après, c'est plus facile à réguler qu'à faire pousser. Voilà, donc voilà un peu pour les colza. J'avais fait un antigraminé et un insecticide. Il y a pour vous maintenant 15 jours, quand vous verrez la vidéo, vous commencez à avoir des piqûres là sur des colzettes qui décollaient un petit peu plus tardivement selon le type de sol aussi. Donc j'avais préféré sécuriser avec ça sans. Voilà, pour le moment il n'y a plus d'intervention qui est prévue sur le colza. Donc là on est au séchoir. Dans cette case là, ça c'est du millet. Millet, je sais pas, c'est de la petite graine comme ça là. Une graine comme du colza. Ça appartient à la coopérative et voilà, ils nous le ramènent pour qu'on leur sèche. Ça les arrange bien parce que comme c'est des petits lots, ça évite de passer ça dans les gros séchoirs. Ils sont faits plutôt pour passer des grosses quantités de maïs ou de tournesol. Bon, puis là, on a du tournesol aussi qui appartient à la coopérative, 19 tonnes, qui était à 18 d'humidité. Voilà, donc ils nous l'ont ramené pour qu'on leur sèche. Je pense qu'il était bien humide aussi, puisque dedans il y avait pas mal de graines de kénopodes, donc ça n'avait sûrement pas trop aidé la chose. Voilà, donc on fait un peu de prestations comme ça pour la coopérative. Souvent, des fois, quand ils ont des lots de millet, de sarrasin, des choses comme ça, ils nous demandent si on peut leur sécher. Et nous, si on a la place, on le fait, on leur fait. Et là, dans cette case, du maïs récolté hier. Donc là, là il n'est pas sec, il est en ventilation à froid pour l'instant, comme on sèche à côté. Là, on va le remettre en ventilation à chaud après. Donc ça avance tranquillement pour les maïs. On en fait un petit peu par-ci par-là. Cette semaine, ils ont battu pas mal de tournesol. Il nous en reste autour d'une vingtaine d'hectares qui est mûr. Après, tous les autres, c'est des tournesols derrière secs, donc ils sont pas tout verts encore, ils commencent à jaunir.
ça sera de la moisson pour avant, à mon avis, pas avant le 20 octobre, hein. Un bon mois, je pense. On verra comment ça évolue avec la météo. Ce sera peut-être des tournesols qu'on sera obligé de sécher. Mais voilà, ça suit son cours. Alors on rend en meuls, un peu rendement, en gros dans des sables, vrais sables, on est autour de 50 quintaux. C'est approximatif parce que c'est à la benne, hein. Comme là on le sèche, on le ramène comme ça. Puis des fois c'est un peu tout mélangé. Puis là on a vraiment de la terre, on a de la terre, on doit tourner entre 90 et 100 quintaux. Bon voilà, pour l'instant c'est ce qui s'est battu. C'est à prendre avec des pincettes. Hein. On a battu. Allez, peut-être 15 hectares pour l'instant, bon, c'est pas la moyenne, c'est juste les premiers résultats qu'on en ressort à vue d'œil comme ça, sans avoir fait de bien grand comptage. Voilà, et bien pour cette vidéo, ça c'est terminé. La semaine prochaine, je pense que je vais semer le seigle et on va aussi semer la févrole parce qu'on mélange du seigle, de la févrole avec le seigle, mais ça je vous l'expliquerai la semaine prochaine dans la prochaine vidéo. Et bien moi je vous souhaite une bonne semaine à vous tous et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos.